En juin 1968, Serge Gainsbourg sort son 8e album intitulé Initial Bébé, sur lequel on peut entendre le morceau éponyme écouté. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres. Et c'est un tube de Serge Gainsbourg. La mélodie reste évidemment dans l'oreille, et peut-être parce qu'il n'y a pas que du Serge Gainsbourg dans cette chanson, il y a aussi un petit peu de musique classique. Les mélomanes auront évidemment reconnu l'inspiration d'une partition d'Anton Dvorak, la symphonie numéro 9, dite du Nouveau Monde, et ça aussi, c'est un tube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo battle, ça faisait longtemps que je n'avais plus fait ce format et d'ailleurs si vous êtes des habitués de la chaîne ou que vous venez d'arriver, restez bien jusqu'à la fin, je vais avoir besoin de vous. Aujourd'hui je m'attaque à celui qui s'est maintes et maintes fois inspiré de la musique classique pour écrire ses chansons, j'ai nommé Monsieur Serge Gainsbourg. Alors oui, j'aurais pu vous parler de Poupées de cire, Poupées de son qu'il compose pour France Gall en 1965 à l'Eurovision où il s'inspire de Beethoven. Le même Beethoven qu'on retrouve aussi dans la chanson Malou Marilou, inspirée de la sonate pour piano numéro 23. Gainsbourg empruntera aussi à Chopin pour Jane Birkin, par exemple dans la chanson Jane B, et aussi dans Dépression au-dessus du jardin. Et puis il y a aussi Chopin dans Lemon Incest, que Gainsbourg chantera avec sa fille Charlotte. Et du classique, il y en a encore pour Jane Birkin, avec évidemment la mélodie de Baby Alone in Babylon, inspirée de la symphonie numéro 3 de Brahms. Et il y en a plein d'autres, Khatchatourian, Grieg, Elgar ou encore Dvorak, comme c'est le cas ici. En tout cas, ça fait plein de sujets pour de prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse. Gainsbourg ne se le cache pas, il puise souvent son inspiration dans la musique classique, et pour reprendre ses propres mots, il dit même qu'il l'emprunte à la grande musique. Parce que oui, selon Gainsbourg, la musique classique, c'est un art majeur, alors que, toujours selon lui, ce qu'il fait, c'est mineur. Mais qui s'y a le connard, là ? Ah non, c'est Béard qui te parle. Oui, mais j'ai bien compris. En quoi est-ce que c'est mineur une chanson, ça rencontre oui, les gens. Oui, c'est mineur. C'est mineur. Mais non, il n'y a rien de mineur. Être... Tu... Parce que si, si, parce si que tu rates la peinture. Tu n'as pas besoin d'initiation. Mais tu as besoin pour la chanson. Oh. Tu as besoin d'initiation pour la peinture, pour les arts majeurs. L'architecture, la peinture et la musique classique. Et la littérature. L'architecture. Et la poésie. L'architecture, tu es initié quand tu regardes. Et la poésie, s'il te plaît. Je sais pas vous, mais moi j'adore regarder des interviews de Gainsbourg, déjà parce que ça me rappelle qu'on pouvait fumer autrefois sur les plateaux télé, mais aussi parce qu'il a des convictions tellement brutes et puis surtout un point de vue vraiment intéressant. Pour résumer rapidement sa vie, Lucien Ginsburg, qui deviendra plus tard Serge Gainsbourg, naît le 2 avril 1928. Il est le fils de Joseph Ginsburg, qui après s'être intéressé à la peinture, finit par entrer au conservatoire de Moscou pour étudier le piano. Et c'est d'ailleurs grâce à la musique que Joseph Ginsburg rencontre sa femme, Olga, la mère de Serge, qui est mezzo-soprano. Lucien, donc Serge, grandit donc dans une famille où la musique a une grande importance. C'est d'ailleurs son père qui lui apprendra le piano quand il est enfant, avant de le pousser à la peinture, mais notre héros reviendra vite à la musique pour devenir l'artiste qu'on connaît aujourd'hui. Donc, tous les jours de ma vie, de ma première vie, j'ai écouté du Scarlatti, Chopin, j'ai écouté Rachmaninov. Ré majeur. Gershwin, Colporteur. Des tangos aussi. On peut donc tout à fait imaginer qu'un jour, Serge Gainsbourg entend ça et décide d'en faire une chanson. Ça, c'est un extrait du premier mouvement de la symphonie numéro 9 en mi mineur, dite du Nouveau Monde d'Anton Dvorak. Antonín Leopold Dvorak est un compositeur tchèque né au royaume de Bohême en 1841 et mort à Prague en 1904. En 1892, Dvorak est nommé directeur du conservatoire de New York. Là-bas, la première partition qu'il créera sera sa 9e symphonie, qui récolte déjà à l'époque un immense succès.
Et encore aujourd'hui, cette symphonie du Nouveau Monde est un véritable tube, avec d'abord un premier mouvement allegro, dont Gainsbourg s'est inspiré, puis un largo avec un solo de cor anglais à tomber par terre, le cor anglais d'ailleurs, sujet pour une prochaine vidéo. Vient ensuite le troisième mouvement scherzo molto vivace, et enfin le quatrième mouvement allegro con fuoco, qui est juste génial. Écoutez. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette symphonie numéro 9 de Dvorak, je vous mets en description le lien vers une vidéo de France Musique qui explique très très bien la création de ce chef-d'œuvre. Et c'est d'ailleurs aussi à France Musique que j'ai emprunté la version de la symphonie numéro 9 de Dvorak. À nouveau, tout est en description. Mais revenons à Serge Gainsbourg. Au printemps 1968, il enregistre à Londres la chanson initiale Bébé, dans laquelle la référence à Dvorak est évidente, mais Bébé fait évidemment référence à Brigitte Bardot, avec qui il vient de rompre à l'époque, et cette chanson est souvent vue comme une véritable déclaration d'amour, ou du moins comme un hommage. Et la chanson initiale Bébé, elle est truffée de références. Que ce soit la référence à la partition de Dvorak, dans l'arrangement au piano, dans les cordes, mais aussi dans les paroles qui au début sont tirées d'un texte d'Edgar Allan Poe, et aussi d'un poème de Baudelaire. Dans les paroles, encore, il est question d'un roman de Louis Powells que Bardot avait recommandé à Gainsbourg. Et enfin, le mot Almeria fait référence à la ville de la rupture définitive entre Gainsbourg et Bardot. Et en parlant des références dans la musique de Gainsbourg, Initiale Bébé n'est pas la seule chanson pour laquelle il s'est inspiré de la symphonie du Nouveau Monde. Dans sa chanson Requiem pour un con, qui servira d'ailleurs au générique du film Le Pacha de Georges Lautner avec Jean Gabin, Gainsbourg chante une mélodie tirée du quatrième mouvement de la symphonie du Nouveau Monde. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le Requiem pour un con. Blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même, pauvre con. Bon ok, c'est peut-être pas aussi évident de reconnaître la mélodie ici que dans Initial Bébé, mais c'est peut-être ça le génie de Gainsbourg, non? Arriver à s'inspirer des œuvres des autres pour sublimer la sienne. En somme, vous ressemblez à certains faussaires de génie. Oui, si vous voulez. Oui. D'une part... Pourquoi pas. Oui. Et qui d'autre part auraient du talent pour eux-mêmes. Et ça, ça n'est pas ce qui arrive aux posteurs de génie en général. En général, ils imitent bien, mais ils ne font rien d'original. Est-ce que je voudrais savoir... Je pratique la chanson comme un divertissement, c'est tout, sans aucune prétention. Et c'est sur cet échange entre Denise Glaser et Serge Gainsbourg que je vous propose de clôturer cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis ou vos idées en commentaire. Et en parlant de commentaires, je vous propose de participer à une de mes prochaines vidéos puisque, vous le savez peut-être, ça fait bientôt 4 ans que je suis sur YouTube et j'avais envie de fêter ça avec une vidéo FAQ. Vous me posez vos questions en commentaire ou sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook. J'y réponds dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Abonnez-vous aussi ici, activez la petite cloche et vous pouvez aussi soutenir mon travail sur Tipeee. Ça me fait toujours très plaisir aussi d'échanger avec vous. Merci d'ailleurs à tous mes tipeurs. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye !